Yo Batalo, c'est Tao, et aujourd'hui les amis, on se voit simplement sur Hysteria les gars. Pourquoi? Parce que j'ai vu que le dernier épisode vous avait beaucoup plu les amis. Bonne stat, pas mal de likes, donc je me dis, bah, c'est que vous kiffez ce genre de vidéo. Donc pourquoi pas faire une autre petite vidéo sur Hysteria. Je dis pas que c'est un let's play, mais je me dis pourquoi pas, ça peut être fun de faire d'autres vidéos sur Hysteria. Donc nous voici, nous voilà. Alors les amis, la base que je partageais avec Lazyx dans le dernier épisode s'est faite piller. Donc c'est pas grave, je suis actuellement au FM, donc c'est juste temporaire les amis. Si jamais je casse, ici, du coup, on peut voir qu'il y a deux petits coffres. Donc, c'est des petits pillages ou des stuff que j'avais sur moi. Donc, il y a notamment le stuff du concours qui était là et qui a disparu. Putain, quelqu'un a pris le stuff du concours, quoi. Nique ça. Trop chiant, les gars. Bah, vous voyez qu'on s'est fait prendre quelques trucs. Voir qui c'est de la fac et ensuite je vais le goumer, évidemment. Mais j'ai un petit peu le seum pour vous dire que ça fait deux mauvaises nouvelles, les amis. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like, voilà. Que ça fasse au moins un truc positif. Et les amis, on va rejoindre un ami sur Discord pour aller faire un petit pillage. Bon les amis, on se retrouve 20 minutes après, même si vous ça fait quelques secondes. Pourquoi? Parce que j'ai voulu setup en gros mon PC pour pouvoir voir qu'avec Discord avec une enceinte vous puissiez entendre la voix du beau gosse. Petit problème, le PC est comme mort. Donc on va faire avec Portentet Tuna, donc qui a aussi une chaîne, donc VMA Max Briquette, je crois que ça c'est comme ça. Bref, ça s'affiche à votre écran. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et il aurait trouvé un pillage à 9% si je dis pas de bêtises, donc on va aller se TP et on va aller voir ça. Ok les gars, il nous a TP et il avait déjà trouvé la base apparemment. Donc on peut voir il y a 8%, ok 8%, d'accord. Donc on a les coffres juste ici. Donc ici on voit qu'il y a du stuff, voilà. Bon, du stuff en hystérite, un petit peu de P4, c'est quoi ça, livre. Oh, il vient de donner 200k le bug. On a deux épées ici. Donc écoutez, bon, on va prendre le chèque et merci beaucoup à toi BG, franchement ça fait plaisir. T'es déjà passé dans l'épisode screen des youtubeurs en plus, donc c'est nice. Ici on voit quoi, il y a une petite épée solidité 1, un petit peu d'hystérite, on parlera ça après les gars, avant on regarde. Ok, bon, du stuff, ok, full hystérite. Ici encore du stuff full hystérite. J'ai envie de vous dire les gars, vu qu'on s'est fait piller, ça va nous remettre bien. Écoutez, je vais prendre tout ça, évidemment en commençant par le stuff, hein, c'est du stuff Omega, certes, un petit stack de bâton de saut, ça peut peut-être se revendre. Elle m'a dit que je pouvais récup, c'est gentil, bah écoute BG, on va récup, on va se faire plaisir. It's Flash qui m'a fait un don, il avait fait un don de la vidéo, s'est abonné à craquer sur Plutonium, bon on ira voir ça juste après. Hop, attendant nous, on doit faire le petit trajet et on doit débarrasser tout ça, voilà, pour tout mettre dans notre petite BP à nous. Mais merci à Patentet de vous avoir TP en tout cas, ça fait plaisir. Donc on avait ça là, ici j'ai l'impression qu'il y a un autre truc les gars. C'est quoi ça? Il y avait des pépites ici. Patentet Tuna à kill, oh mais Patentet c'est un monstre. Donc écoutez, je vais quand même récupérer tout ça. Tac, 29 petites lanternes clignotantes, ça fait toujours plaisir. Ok, donc en dessous on voit qu'il y a de la betterave. De la betterave, de la betterave, de la betterave, de la betterave. Ouais, bon, rien de très intéressant. Je vais cet homme, j'irai récupérer tout ça. Je vais vendre les carottes qu'on vient de récupérer. Je sais pas si jamais il y a du business à se faire. Écoutez, en vendant tout, je me suis fait 2600. C'est déjà ça de prix. Ok, les amis, donc on s'est TP à It's Flash. Donc rappelez-vous, les amis, ce gros fou, déjà qui est full knock, il nous avait fait un don sur Plutonium. Il nous a donné une épée Plutonium. Bref, un grand malade. Donc merci à lui pour nous faire un petit don. En plus, il est full, full knock. C'est beau à voir. Donc écoutez, on va regarder son petit coffre au milieu de nulle part. Alors, voyons voir, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la nocturite compressée. Très, 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 très bien. Des blocs de noctu. Lingot de nocturite. On a une pomme en hystérite. On a 3 graines de noctu. On a ici un petit plastron oméga. Un unclaim. Un autre cave block. On a 10 terres fertilisées. Ok. Et 14 blocs d'hystérite. Et bien, écoutez, les amis, merci beaucoup à It's Flash. Ça me donnait l'occasion de me créer une petite BP pour mettre tout ça. Évidemment en sécurité. Vous savez quoi, je vais aller faire ma petite BP et je reviens tout de suite. Donc encore merci à... Voilà les amis, on se trouve un bon petit moment après et j'ai fait ma petite base. Donc la voici, la voilà. Et on peut voir notamment les quantités de stuff qu'on a eu dans le pillage précédent, qui sont quand même plutôt pas mal. Voilà, donc on a des petites choses que j'avais avant, voilà, que j'avais réussi à mettre de côté, qu'on s'est pas fait piller. Mais c'est très petite partie, tu vois. Donc on a ici Crisper en MC qui demande de nous TP. Et bien écoutez, slash TPA Crisper, je crois que c'est ça. Crisper en MC, exactement, on va se TP. On va voir ce qu'il a le bug. Donc nous voici, nous voilà avec Crisper. Donc on est dans le spawn. Ok, il vient nous drop quoi les gars? Il vient nous drop ici un plastron knock. Un plastron knock, et bien écoute, merci beaucoup VG. What, les gars, la dinguerie. La dinguerie. Et bien dédicace à sa faction. Parce que franchement il régale. Dédicace à la Atmad mon bébou. Les gars attends, c'est réellement un plastron en octu. Putain la dinguerie. Les gars j'ouvre le C, ça part instant dans le C à la place des deux planeurs. Voilà, parce que ça c'est une grosse dinguerie. Les amis on est plus tard et regardez, il n'y a aucun coffre. Attends c'est pas normal. Enfin j'avais mis 4% pourtant. J'avais même trouvé les pourcentages, on est au milieu de nulle part. Et j'avais trouvé les pourcentages des choses qui venaient de par là si je dis pas de bêtises. Tac, à moins que ça ait déjà été pillé. Aïe aïe aïe, putain, le seum les gars, ça a été pillé, c'était pas pillé quand je suis venu il y a 2 jours.
Et vraiment, c'est le seum. Bah écoutez, je vais récupérer quand même les bibliothèques, hein. Enfin, du coup, les livres. Et bon, on a à manger, c'est déjà ça. Après, vous me direz, c'était près du spawn, c'était un petit peu prévisible. Les amis, j'ai trouvé un autre pillage. Regardez-moi ça. Voilà, bon, je pense que ça a déjà été pillé. Si on regarde ici, il n'y a rien. Si on regarde ici, il n'y a rien non plus. Et ici, il n'y a rien. J'ai comme l'impression que c'est une farm. Ouais, c'est ça, c'est une farm. Mais bon, ça a déjà été pillé, donc on passe. Oh les gars, il y a un petit guivole là-bas, regardez-moi ça. Non, me dites pas que j'arrive trop tard. Ah non, regardez, il y a du guivole. Ça drop des petits trucs. Est-ce que je vais avoir quelque chose? J'arrive et c'est déjà fini. Bon, et bien clairement les gars, j'ai le seum. Voilà, je préfère vous le dire. Mais si j'écris dans le chat coucou, vous pouvez voir que je suis youtubeur. Et plus mini youtubeur les gars, je suis bel et bien youtubeur. Donc voilà, j'ai le vrai grade youtubeur. Et on va voir maintenant tout de suite ensemble qu'est-ce qu'on a dans le kit youtubeur. Donc on descend les kits, là on a le kit youtubeur. Et du coup les amis, on a ici un full diams, ok. Donc pas ouf, d'ailleurs je vais peut-être même le drop au... Tac, on a ici des lucky blocks, ok, des gapples, du pain, une petite key, des torches, rien d'incroyable. Ok, bah on va aller s'ouvrir ça les amis. Donc la petite key youtubeur, let's go, et on a eu 5 easter eggs. Pourquoi pas les gars, pourquoi pas. Donc voilà les amis à quoi ressemble mon petit EC actuellement. Donc il y a des belles petites choses, hein. On voit un peu de Noctu ici, de la Noctu ici aussi. Je vais voir avec les blocs de Noctu, est-ce que je peux crafter quelque chose? Ah, je peux faire la Noctu compressée. Ok, bah je vais en faire une. Vous pouvez pas encore crafter, il faut avoir les jobs. Oh là là, la flemme les gars. Sinon on a un petit ticket de loterie, on va se l'ouvrir et on a eu 50K. Alors ça c'est très très nice, moi je prends avec grand plaisir. Au-delà de ça, j'ai fait un petit aménagement ici les amis, avec pour simplement planter les petites graines. Et je me dis, en attendant que ça pousse, pourquoi pas faire une petite... Alors ça tombe bien, j'ai quelques beaux petits blocs ici, voilà. Donc let's go les gars, petit instant déco. Yes, j'adore la vie. En plus sérieusement, ça commence à avoir une petite allure ici. Hop. Hop là, ok, ça commence à être pas mal. Ok, ça commence à avoir, ça commence à ressembler à quelque chose, les amis. Ça commence à avoir de l'allure. Je vais faire la petite salade rower et on se retrouve juste après. Et vous allez noter la déco en commentaire de 0 à 10. Combien vous me notez la déco de la base? Bon, les gars, du coup, regardez, hop, j'ai fait une petite salle. Moi, j'ai pas fini, j'ai pas fait d'obstacle en faux. Mais du coup, je mettrai mes petits drawers ici. Et voilà, tout simplement, les gars. Comme ça, c'est un petit peu protégé. Peut-être que je crée ma fac ou j'essaierai de claim ou je sais pas comment. Mais je pense que c'est un bon début, c'est un bon début. Donc, notez-moi ça en commentaire. Ok, les gars, donc là, on a actuellement avec Atsuko. Donc, on avait pied dans la dernière vidéo. Voilà, plutôt comique. Et il m'avait parlé d'un petit don, si c'est bien ça. En fait, tu l'as juste que je me coupe et je te fais ça. Ah, écoute, mon cher Asko, je suis prêt, si tu veux, je peux me TP. Là, ça a déjà un petit cadeau. Let's go. Ça, c'est ta ferme à Nox, c'est ça? Oui, mais elle est encore finie. Pas encore finie. Et donc là, on peut récupérer ou pas, là? Ou faut attendre encore un peu plus? Ouais, c'est pas cool. Vas-y, faire un petit opening, si tu... Allez, let's go, les gars, petit opening. Alors, dans mon inventaire, j'ai que des stacks de graines. Bah, go replanter à la main. Il y a même un bénéf de quelques stacks de graines. Ok, bah écoute, bah, merci. Donc voilà, ça les gars, c'est ma base, hein. Haute niveau, voilà, on n'est pas sur sur le même style, hein. Ouais, bah avec plaisir, ça sera collector comme ça, je m'en servirai. Enfin, je m'en servirai. J'ai évité d'aller PVP avec, voilà, parce que surtout c'est un casque en octu comme tu me dis là. Toujours fly, hein. Ça c'est OP par contre. Je jure les gars, je vais chercher des pillages en fly pour le prochain épisode, ça va être trop drôle. Et si je me fais ban, bon bah c'est peut-être la dernière vidéo sur Hysteria, hein, qui sait. Ok, nice. Bah écoute, merci. Oh, Taon de top. Oh, ça c'est stylé. Alors là, là les gars, c'est le flex ultime, hein. Voilà, voilà. Gros merci à Sko. Écoute, c'est quoi? Je vais me l'équiper tout de suite. Tac. Donc on a le beau petit casque. J'enlève le plastron. Hop. Et là, boum. Je suis à moitié knock. Et ça, ça c'est la classe. En plus, il m'a passé 32 petits bétons, 32 petits fonds verts, là, ça va me servir pour faire des fonds verts, parce que du coup, je me suis pillé les fonds bleus que je t'avais déjà pillés. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Esco, ça fait super plaisir. Il manque botte et jambière. Il manque botte et jambière, ouais. Ah, bah, j'essaierai de farm ça, vu que j'ai la farm maintenant, peut-être dans un prochain épisode, ce serait sympa de farm ça. Ouais, t'inquiète. Attends juste 2 minutes. Ah, oups, j'ai fait tomber un truc sur toi.
comment ça, t'a fait. Mais wesh! Wesh! Les mecs abusent! Wesh! Bon, mais les gars. Attends, comment tu le resign? Taon the top. Ah, c'est la classe, c'est la classe, c'est la classe. Les gars, j'ai un clear leg bientôt. Mais grande classe. Oh là là. Et bientôt, je vais être full knock là. Et par hasard, ta faction, elle recrute ou pas? Je leur demande, ouais, je pense qu'il recrute. À voir. Ça peut être utile, surtout si c'est une faction que tu m'as dit que c'était actif et tout. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à partager la vidéo sur vos Discord de faction, sur vos Discord communautaires, j'en sais rien, partager. N'hésitez pas, n'oubliez pas le petit like. Et dans le prochain épisode, je vais faire gagner des petits trucs. Je vais essayer de farm, de faire des pillages et tout ça pour faire gagner des petits trucs dans le prochain épisode. Donc merci à toi Atsuko pour ce petit don. Et est-ce que tu aurais un mot à dire pour la fin de la vidéo? Un dernier petit cadeau pour la fin. Dernier petit cadeau, alors là les gars, ça me fait peur. Ça me fait la peur. La fin de la vidéo. Ça me fait peur. La fin de la vidéo, clairement. Pour la fin de la vidéo, faut quand même un dernier petit cadeau. Ouais, mais c'est pas trop, mais... Écoute, si tu le dis, moi je suis ouvert. Voilà. On ne refuse jamais un cadeau, comme on dit. Il y a en effet un truc qui cloche, il y a une partie qui est rouge. Le malade. Et ben let's go. Jean-Pierre de l'ombre. Ok, bah attends, je vais la repair. Et pourquoi elle s'appelle, c'est le vrai nom ou c'est un nom custom? Oh, c'est un nom custom. C'est pas toi. Ok. Oh, Jean-Pierre de... Franchement, c'est trop stylé. Donc les gars, on a officiellement un full stuff ici. Bon, je vais repérer ça pour que ce soit parfait. Mais on a officiellement le full knock, les gars. Je pense que je connais le nom de la vidéo. Hein, voilà, je sens que la vidéo, ça va être objectif full knock ou un truc comme ça. Carrément. Alors les gars, là vous allez me dire: ah, encore une épée, une fake tranche 1. Sauf que là, regardez, donc ça c'est une vraie tranche 1 et ça c'est une fake tranche 1. Tu vois que la fake, le tranche 1, il est en haut, et là c'est le vrai enchantement, tu vois. Genre là c'est en italique, là c'est pas en italique, donc il vient de me donner une vraie tranche 1. Et ça vaut combien une vraie tranche 1 à peu près? 6-7 millions, je pense, voilà les gars, rien que ça. Donc franchement les gars, je pense qu'on peut caler un bon petit GG Atsuko dans les commentaires. Voilà, ça peut faire plaisir. Et si la vidéo est en diffusion d'avant-première, n'hésitez pas dans le chat d'avant-première à marquer un petit GG Atsuko aussi, ça ferait plaisir. Donc c'était Tao les gars. Je vous souhaite à la prochaine. Et Atsuko, un dernier mot, pour le coup un vrai dernier mot. Un vrai dernier mot, bah abonnez-vous.